bonsoir messieurs, ici Boss, je viens d'arriver en ville. Bonsoir. Bonjour le patron. Vous allez bien messieurs? Bonsoir. Ouais, Gold de même. Ouais, très bien. Bonsoir. Ça va, ça va. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'étais en train de traiter tranquillement et enfin j'allais traiter et j'ai croisé deux hommes. Je les ai mis en photo sur le tableau. Un monsieur avec des cheveux rouges dégueulasses et un autre avec un masque de loup. Donc on va traiter là. Vous pouvez faire un résumé sur les mules et la surveillance? Je pense qu'on n'a pas besoin d'être 40. Je pense que c'est compliqué vu que c'est en pleine ville. Justement, je vais venir en surveillance en taxi pour faire genre. Je vais faire genre j'attends des clients, tu vois. Tourner juste dans la ville. Ouais, ok, c'est ok. Tout. Vers où? Proche de tout ce qui est commissariat et hôpital. Ah, dans okay, les environs, là. Attends, le traitement d'aujourd'hui, il est là? Bah, il est dans les environs, ouais, je vais pas dire exactement où il est, mais... Oui, mais ça, de toute façon, bientôt on dira, hein, on s'en fout, hein, au bout d'un moment, on peut pas... Ok, ça roule. Bon, bah, j'ai traîné dans les environs, alors, en taxi. Hein. Ok. Ok, bah là, ça va être plutôt chill, on va traiter tout le reste. Est-ce qu'il est là, Poison? Aucune idée. Salut, Pink. Salut. Patron, qu'est-ce que vous diriez de choper les gars qui s'essayent à faire du trafic? Tu parles à qui, à moi? Ouais, à vous. Bah, je sais pas, Poison, il est là ou pas? J'ai pas fait attention. Oui, oui. Bah, vous pouvez résumer un petit peu ce qui s'est passé, messieurs? En gros, je suis arrivé à proximité du point et il y a un monsieur masque de loup qu'on voit sur la photo que j'ai mis dans le tableau. Le point de traitement d'aujourd'hui, on est d'accord? Ouais, je pense qu'il devait chercher le point. Pourquoi, j'en sais rien. Il y en a un qui est resté statique, j'ai appelé Black, mais Black a mis du temps à arriver. J'étais en service. Moi, j'étais visage découvert, donc de toute façon, j'aurais rien tenté. Mais voilà. Ces deux messieurs étaient là et bougeaient pas. Poison, t'en penses quoi? Je viens d'avoir un mot de tête, faut essayer de se dépêcher d'aller sur le véhicule en bas. Bah, pour l'instant, ils font rien, donc on s'en branle un peu. Ouais, pour l'instant. Par contre, vous savez la fliquette là, qui est plus flic? Ouais. Ouais. Que je vous ai dit hier là, qu'on a surpris au camp gitan. J'aimerais bien elle qu'on lui pose quelques questions. Ils avaient tous les deux les cheveux oranges et là, le gars qui l'a fait le traitement, il avait les cheveux oranges aussi. Ouais. Non, il avait les cheveux rouges, pas oranges. Ah, ok. Rouge. Écoutez, on fait le traitement, on traîne en ville, on indique tout ce qu'on voit de chelou ou autre qui s'approche du traitement, près du commissariat et tout. Et dès qu'on a fini tout traiter, on voit qui on chope ou autre, ok? S'il y a quelqu'un à choper. Ok. Après, on va pas choper juste parce que des gens traînaient à côté. Je pense pas quand je prends quelqu'un sans arme. Hein. Oui, bien sûr. Bonjour, vous avez toujours besoin d'un taxi? Non, ça ira, c'est un peu long. Reconnu, courir, non, c'est petit mal de crâne, monsieur. Ça est indépendant de notre service, malheureusement. Ah, mais okay, c'est pas grave. Votre problème. Et bah, passez une bonne journée. Okay, vous aussi, hein. Au revoir. Ouais, sale chien, là. Oh non, j'ai plus besoin, c'est trop long. Bah ouais, mais gros, y'en a qui ont des mal de tête. T'es coréen, toi, maintenant. Ok, le mec, il est ailleurs. Bah, je suis coréen. Depuis quand t'es coréen, toi? Depuis toujours, je suis allemand et coréen. Ah ouais, dis-moi une petite phrase en coréen. C'est tes origines. C'est tes origines. Tu connais rien en coréen? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh putain, je suis à deux doigts de t'en décoller une. Allez, dégage. Je garde mon sac. Vas-y, un GP. Hein. Là, va falloir qu'on remette le service taxi sur pied. Il est 21h18, c'est pas mal. 22h30, on fait des embauches. Ouais, est-ce que t'es là, Poison? Ouais. Ok, je t'appelle là, Mifle. Toujours en place ou pas, les deux messieurs là? Toujours. Ouais. Tu m'avais dit hier que la société était pleine. Est-ce qu'il y a des gens où t'as pas de nouvelles d'eux? Non. Mais pourquoi je vois jamais les voitures sorties à ces heures-ci? Où ça? Des photos. Peut-être parce qu'ils bossent la journée. Je suis pas sûr. Eh ben, je retourne encore en arrière. Moi, messieurs, je peux pas traîner près du commissariat. C'est pas possible. Hein. C'est des mal de tête à répétition pour moi. Donc, je vais faire quelques clients pour la société. C'est peut-être pour ça qu'il y a personne là-bas. Peut-être qu'il y a une grosse sienne qui traîne dans le coin. Ouais, excuse-moi, j'ai été coupé, c'est SFR qui m'a rappelé. Ouais, je comprends, service de merde. Ouais, ils voulaient que j'aille chez eux, j'ai dit que c'était pas possible. Ouais, je comprends. Bon, les caisses, elles augmentent bien ou pas? Est-ce que ça concorde avec ce qu'ils disent? Avec leur... Pas hier, mais avant, dernière fois qu'on c'est est venu, bon, je les ai en photo, on monsieur. Était à 23 000 dans le coffre. D'accord. Là, on était à 60 000. Ah, ok. Et y a vraiment pas une seule place? Le Médéric, tu l'as déjà dégagé? Oui, il est parti. Donc y a plus une place. T'es chier, putain. J'ai envoyé sur Pôle emploi une annonce. Parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de gens le soir, tu vois ou pas? Quand on fait des OP, il y a quelqu'un qui tourne à notre place. Ça nous donnerait un alibi. Ouais, bien pris. Tu vois ou pas? Puis on fera un recrutement pour Noël. Ouais. Bon bah écoute, de toute façon à 22h30 je leur ai demandé de venir. Des gens viendront et on verra. Et puis au pire on prendra une nouvelle voiture ou autre, ça roule? Ouais mais non, 10 max. Et là les 10 sont pris là, tout le monde? Normalement oui.
soirée. Bah faut qu'on discute avec quelqu'un pour qu'il soit plus présent le soir. Parce que c'est bien qu'il y ait du monde la journée, je dis pas le contraire, hein, sinon ça aurait été une galère. Hein. Mais il faut au moins quelqu'un pour qu'on ait en OP. D'ailleurs, Aladdin, il est avec nous ou pas? Il est chez nous ou pas, lui? Oui. Ouais. Ouais, mais vu qu'on est tous du même groupe en OP à cette heure-ci. Bon, faut qu'on trouve une solution. Écoute, essaye de chercher quelqu'un qui est pas fiable dans l'entreprise. Moi, je pense à nous de l'être. Nous, on n'a pas à se mouiller, en soi. Ouais, mais faut quand même se mouiller un peu, tu vois, pour montrer au groupe que... Le véhicule USP qui arrive juste à côté du point. Hein. Enfin, quelques billets de merde en de la huile de la coke, honnêtement. Ouais, non, mais ouais. C'est juste pour se préparer en cas de... Parce qu'on est d'accord qu'on va pas tous les deux aller se faire plonger le cul pour de la merde. Oui, non, ouais, c'est sûr. Ok, bon, bah écoute, s'il y a quelqu'un de pas fiable, de toute façon, je joue à 22h30, et sinon, je dis aux gens que tous les postes ont déjà été pris, et basta, ils sont venus pour rien. Vas-y, tu sors. Alors, bon, bah on a un problème. Tout le monde travaille, mais tout le monde travaille l'après-midi, c'est embêtant. Après, il a pas tort. Il faut qu'on soit un petit peu plus présent le soir et qu'on soit pas tous en OP et tout, parce que bah forcément, ça serait nous mouiller le cul un petit peu pour rien aussi. Tempête dans 5 minutes. Oh, tous à l'abri. Ouais, bonjour messieurs, je viens d'arriver en ville. Ouais, bonjour. Allez, service, taxi à nouveau. Bon messieurs, si j'ai bien compris, on reprend le traitement et la fin pour aujourd'hui, c'est ça? Si, seigneur. Ok, je vais commencer à naviguer alors près de l'hôpital et tout, en espérant que ce soit bon cette fois-ci, messieurs. Messieurs, si vous voyez un homme avec une natte de type, comme sur la photo, un peu rouge bizarre dégueulasse. Attendez, on va voir l'homme. Un mec avec des cheveux rouges, essayez de discuter avec eux. C'est potentiellement les hommes à qui on a eu affaire. Ok. Merci, messieurs. Ah, t'as réussi à choper une photo sans le masque aussi, c'est pas mal ça. Comment ça se fait que t'as réussi à l'avoir celle-là? Parce que Black m'a donné le point. M'a dit où ils étaient, où ils pensaient que c'était eux, j'y suis allé, je me suis mis à proximité d'eux, ils sont barrés, je les ai suivis, ils sont partis en tête à queue, c'est bobo, j'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo, je me suis barré. Et ils t'ont vu ou pas? Ouais, ils m'ont vu hein, depuis le début, depuis la toute première rencontre. Ok, tu penses qu'ils traînaient parce que c'était le traitement ou rien à voir? Aucune idée. Très bien, à creuser messieurs. Un mec avec un masque qui traîne devant le traitement, il y a de fortes chances qu'il soit là pour le traitement. Merci beaucoup, inspecteur Gray. Merci beaucoup. Oui, c'était un boulot. Ça nous a été utile. Ouais. Vous savez, je crois que quand il y a un mec qui va dans une épicerie, c'est pour acheter à manger, mais je suis pas sûr aussi. Ah, ça dépend, ça peut être pour la braquer. Hein. T'as pas envie de la braquer d'ailleurs? Avec quoi? T'as rien du tout? Ah non, moi j'ai absolument rien. Ouais, je pense qu'il va falloir charbonner et faire quelques articles hein, si tu veux toucher des petites primes. Ah bah écoute, moi je trouve que 3 dans la première journée de boulot, c'était pas si mal que ça. Ouais, après la quantité ne vaut pas la qualité. Hein. Ah, exactement. Merci beaucoup. Aïe, un coup dur. Hein. Messieurs, c'est Gold le chat. Ouais, et pour le traitement, sinon vous commencez quand? Eh bah attendez, je vais déjà voir, je vais déjà dire que ces deux messieurs ont attenté à ma vie et puis après je rattaque le traitement. Non mais laisse tomber les flics, parce que si derrière les gars ils balancent le point ou quoi, les flics vont être tout le temps là. Bah on s'en fout, pire des cas, mais je crois pas qu'ils aient le point, hein, parce qu'ils étaient pas au point, ils cherchaient... Mais... Réfléchis, il est masqué, il est à côté. Non, il était pas dessus, hein. Il était à côté, mais aux alentours, il était pas dessus du tout. Oui, mais arrêtez, je disais les flics. Vous êtes Stormtrooper ou quoi? Mais ouais, laisse tomber les flics, ça sert à rien. Ils ont pas à me tenter à ta vie. Si ils attendent, c'est nous qui nous en occupons. Ah, il est pas là. C'est un Stormtrooper ou pas? Après ça, les flics, je le sors. D'accord, parce qu'on dirait un Stormtrooper, j'adore les Stormtroopers. Non, je pense que c'est une mauvaise idée de. Oh putain! Appel à la police. Hop, la disparition. Messieurs, passez au traitement, il y a une tempête, c'est peut-être le moment justement. La ville est pas trop agitée, c'est plutôt calme. Vous êtes gentil, vous avez cru que ça se faisait comme ça? Bah justement, on est en surveillance en fait. Donc si t'as besoin de quelque chose, tu me le dis, mais faut y aller. Ouais, t'inquiète. Je m'inquiète pas. Mais au bout d'un moment, on va s'inquiéter. Là, je t'avoue que maintenant que tu le dis, je commence à m'inquiéter. Mais non, mais je suis à pied, alors vous êtes gentil, mais je vais pas voler une véhicule. Attends, y a une seule mule là? On peut pas être 40, ça sert à rien parce qu'on va être cramé. Mais attends, hé, Einstein. Attends, Einstein. Viens, ouais, je te mets dans le taxi et je fais genre t'es un client. Tu peux pas avoir de contrôle. Ouais, mais je peux pas emporter. Je peux porter que. J'ai des vitres quintées, j'ai tout ce qu'il faut. Mais non, mais vous venez à deux, je fais genre vous êtes mes clients et je vous fais traîner dans toute la ville. Ouais, mais tu vas nous déposer là où il y a le point, malheureusement. Je vais. Mais non, je te dépose juste à côté, putain. À des endroits discrets. Comme tu veux, ouais. Ok, idée, ouais. Qui peut faire mule avec toi? Parce que tout seul, tu vas pas y arriver, ça va être beaucoup trop long. Il faut que vous soyez deux. Vas-y, Black, tu viens. Gray. Et séparez-vous en deux taxis. Est-ce que Poison, tu peux t'occuper de la deuxième personne, les allers-retours? Ok. Comme ça, Black, ça va être super discret, ça va être nickel, messieurs. Ok, je vais m'occuper de toi, Ambre. Poison va s'occuper de la deuxième mule. Et on vous emmène à chaque fois à côté des points, d'accord? Rendez-vous service taxi maintenant, si vous pouvez. Ou dites-moi, ou envoie-moi localisation GPS. Ouais, je t'envoie un point. Ok, voilà, c'est qui la deuxième mule? On se fera de là-dessus en même temps. Yeah, exactement. C'est qui la deuxième mule? C'est Black, je pense. On va essayer de mettre Black. Ça, c'est une bonne idée, putain. Ça me plaît, bordel, quand le génie remonte comme ça. Bordel. Ben ah, moi, je suis à deux doigts de bouillir. Mais on se rejoint à ma maison, à chaque fois on se rejoint à ma maison, à chaque fois je te refile une partie. Et voilà, c'est bon. Par contre, vous paierez les courses, hein. L'essence ça coûte cher. Allez, j'arrive. Messieurs, vous êtes en surveillance autour de la ville, les autres? Saphir pour Ambre. Ouais. Dis-moi quelle rue il faut que je surveille. Donne-lui le nom de la rue.
Mais toi, carré rouge. C'est quoi carré rouge? Tu sais où il y a près du SPD et de l'hôpital. Ça, c'est un place bon centrale, je pense. Ouais, voilà, place centrale. Bon j'appelle plan, le carré ça rouge. Ça, c'est un bon plan, ça. Bah oui, okay. On est taxi, on est trop con. Eh les gars, mais comment on a pu ne pas y penser avant, putain? Pour les traitements et les ventes en ville, on est taxi, messieurs. C'est donné. Du moment que la police ne connaît pas les points, ouais. Une fois qu'ils les connaîtront, ce sera moi. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Bonsoir, bien et vous? Ouais, vous avez demandé un taxi, monsieur? C'est exact. Très bien, allez, c'est parti, accrochez-vous, s'il vous plaît. Quoi de beau aujourd'hui, messieurs? On va trop rien, vous. Ah, écoutez, oh, ça fait le boulot, hein, ça fait taxi, c'est comme ça que ça marche, hein. Ça s'est bien passé, votre journée? Ouais, très bien. J'ai vu quelques flics traîner, hein. Je sais pas ce qui se passe en aussi ville, les gens sont un peu ils agités. Ils sont pas mal, ouais. Ouais, monsieur, je vous emmène là où vous voulez. Monsieur, vous voulez que je vous attende ou vous voulez que j'aille m'occuper d'autres clients? Ah, oh, bah, tournez dans la ville, je vous rappellerai, au pire, si j'ai besoin de vous. Très bien, ça roule. Bon, allez, à tout de suite, messieurs, je vous rappelle. Très bien. Le temps que Poison il fasse sa petite sieste, est-ce que je m'occupe de Black? Ah, je suis de retour. Ok, c'est bon. Bon, maintenant je tourne un peu et je récupère après et on va faire des rondes comme ça, messieurs. Policier près de Lamination, messieurs. Environ dans 2 minutes au même endroit, s'il te plaît, boss. Ok, je commence à arriver tranquillement. Ouais, prévois bien 2 minutes, hein, le temps que je termine tout ça, que je descende, etc. Hop, le colis B est dans la voiture et je l'amène à la poulailler. Vraiment, la ferme est très calme en ce moment, il y a très peu d'activité. Très bien, pas de coq qui chante? Non, non, non. Et franchement, pas de vent, les œufs ne risquent pas de se casser en tombant par terre. Ah, quoi que j'entends des sirènes, des cris de loups. Ok, c'est... Je note un point de rendez-vous, taxi. Sirène, sors pas. Attends. Ambulance. Quand l'IB est déposé. Ambulance. Ok, j'arrive. Bien près du point, j'arrive. Ambulance, carré rouge. Oui, carré rouge, elle remonte en ville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien, je vous emmène, monsieur. Ouais, d'accord. Très bien. On va vous saluer comme d'habitude. Hein. D'accord. Ouais, je vois. C'est votre ville là, non? Ouais, c'est ça, ma maison. Ah, vous aimez bien, mais en fait, vous faites quoi là dans cet endroit de la ville, monsieur? Bah, du tout. Vous faites pas du bon pain à ce temps-là? Ah, peut-être. Pour que les gens se réveillent, vous savez, c'est normal. Au réveil, ouais. Un bon pain, ça a pas de prix quand même, monsieur. Ouais, je suis d'accord. Ah, j'aimerais bien goûter votre pain un jour, hein. Ouais, je vous ferai goûter un soir, vous inquiétez pas. Il y a Fradio. Patron, vous pouvez regarder vos emails? Je m'en occupe juste après avoir déposé. Ouais, je me dirige pour chercher le colibé. Bon, bah, allez, j'arrive, messieurs. Allez, j'ai répondu à ton email. Ok. En tout cas, ça me paraît logique. Colibé déposé au bercail. Attendez, le loup arrive. Ah, oh, putain, ok, j'arrive. Bouge pas. Il y a beaucoup de taxis dans le quartier. Beaucoup de taxis. T'as remarqué? Ouais. C'est un quartier riche. Le loup est passé, il a repris le pont qui remonte en ville. Je sais pas qui vous attendez, monsieur, mais moi j'attends un boulanger. J'attends un charcutier. Ah bah putain, il y a des bons métiers hein, dans cette ville. Hein. Bon, j'arrive, monsieur le taxi. Soyez patient, s'il vous plaît. C'est vous le client? Je sors dans 30 secondes. Même pas, je sors là. Par contre, messieurs Black et monsieur le client, vous allez devoir payer les courses. C'est le règlement qui stipule. D'accord. Vous êtes des clients, on est bien d'accord? Ouais. Vous faites confiance au service taxi? Ouais, tout à fait. Et ben voilà. Vous faites payer vos employés, vous? Ah oui. D'accord, oui. Faites ce que vous voulez. Hein. Vous savez, monsieur le boulanger, si j'ai pas envie de vous manquer de respect, vous êtes sûrement un très bon boulanger et vous transportez sûrement de la très bonne farine. Mais bah, moi, je l'espère. Je suis avant tout chauffeur de taxi, vous comprenez que pour le bien de la société, je peux pas faire des courses gratuites. L'État n'aimerait pas beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout pour votre femme, non? Puis bon, je vous fais confiance, vous êtes un bon client. Je doute que vous transportez pas de drogue. Hein? De la quoi? Mais non, je transporte que de la farine. Eh ben voilà. Donc il faut payer, monsieur, je suis désolé. J'ai pas envie de mettre furax l'État, moi, vous savez. Il faut que je paye mes impôts comme tout le monde. Eh ben vous inquiétez pas, je payerai. Merci, monsieur, ça fait plaisir. Je ferai une petite facture de 1000$. Je vous ferai un petit... Bah voilà, je vous ferai un bon tarif. Mais d'ailleurs, vous allez me demander encore beaucoup de trajets comme ça, monsieur? Si on part sur cette idée de trajet, oui. D'accord. Ouais, sachant qu'il me reste encore 300 paquets de farine à déplacer, ouais, il y a des chances. En quoi c'était plus rapide si t'étais à pied? En fait, c'était pas comme ça qu'on procédait. D'accord. Je vais pas en dire plus, mais en gros, on avait un véhicule un peu plus chargé et on arrivait à faire aussi vite, même plus vite. Ouais, reprenez alors. Tu veux que je reprenne du service ailleurs? Ouais, reprenez du service ailleurs. Bah, par contre, je vais devoir te facturer. Ouais, okay. Ouais, tu vas devoir te facturer. Pink, pour radio, je vais à la PSSO avec. Effectivement, vous êtes quand même méga signé quand même. Mais... Avec les sondelles, messieurs. Non, ça va aller, merci. Non, ça va aller, monsieur. Passez une bonne journée alors. Merci, passez une bonne journée à vous aussi. Sois gentil avec les shérifs. Oui, bonjour, monsieur. Et en tout cas, il y en a un qui sera jamais à deux doigts de bouillir. Vous avez besoin d'un taxi? C'est Black. Très bien, j'arrive tout de suite. Merci. Pourquoi? À deux doigts de bouillir. Oh, c'est les bonnes, celles-là. J'aime bien. T'as pas l'air à fond dedans quand même pour quelqu'un qui aime bien une blague. Ah, elle était bonne, hein? Tu rigoleras plus tard. Ouais, là, je travaille. Ah, ça y est, Poison, t'es revenu? Le loup vient de partir très vite. Ah, putain, je suis là, je dépose des blagues.
D'accord, non mais parce que je te pose des questions, tu m'as foutu des bancs, donc je me demandais. Ouais, c'est bon, boss, je me débrouille pour... Vas-y, ça roule, je vais prendre les clients. Poisson, tu reprends avec moi des clients, s'il te plaît. Excuse-moi, ça fait plaisir. Le loup fait des allers-retours très rapides entre le commissariat et Carré Rouge. Il y a eu un accident. Gyrophare et... Ok. Il y a eu un accident qui impliquait un policier, me semble-t-il. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, et vous? Bah écoutez, ça va plutôt pas trop mal, je vous emmène où, dites voir. Princesse Toto, s'il vous plaît. Ouais, elle était blanche et orange, j'ai l'impression. Je vois qu'il y a la police près de la banque, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est allé si vite. Ah ouais, c'était mon collègue qui a remboursé un prêt. Ah d'accord. Johnson? Oui monsieur? T'as pris la course ou pas? Oui, j'ai pris. C'est ce que je te demandais tout à l'heure, je suis bien avec le client radio taxi. Non, il y en a une nouvelle là. Ah, je peux pas la prendre celle-ci, je suis avec un client, messieurs. Ah, je suis avec un client aussi. Saphir, tu peux? Non, je m'en occupe dans un kilomètre, c'est bon. J'ai fait le con. J'ai fait le con. Oups. Est-ce qu'il est au bercail, Black? Accrochez-vous, monsieur. Hein. Ouais, je suis dans la maison. Okay, il y a beaucoup d'appels clients partout là. Ah, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui là, mais c'est terrible. Ah, pourtant, en tout cas, je patrouillais, je voyais personne. Oh putain, bah là, je peux vous dire que ça bip de partout. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Déjà, il y a un policier qui est tombé, qui a eu un petit accident juste avant. J'étais avec eux. Ok, descends. Voilà, le loup monsieur. Vient de passer devant l'hôpital et s'arrête à l'hôpital. Allez, je vous facture. Voilà, monsieur, ça fera 90$. Hop, je vous mets la petite facture ici. Tiens, le shérif est en ville. Voilà, merci beaucoup. Ça c'est pour vous. Le shérif se dirige à fond de balle vers ce qui semble être le. Oh là là, le béni. Vous avez répondu très vite, fait que je suis très. J'apprécie très souvent. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Ça va, il n'est pas censé connaître qui est Saphir ni rien, on n'a rien fait en ville, on n'a pas de dossier ouvert et tout, donc pour l'instant ça va. Radio ici boss, dis voir Saphir, il y a un petit problème. Oui, pourquoi? Je peux te demander de changer s'il te plaît frère, de pseudo? Pourquoi? J'ai dit par mégarde de ton pseudo et il y avait quelqu'un. Ok. Voilà, donc si tu peux reprendre l'ancien, à moins que ça soit encore trop frais. C'est ma faute, c'est au pire, il prend Cobalt, je trouve que ça en jette Cobalt. Ah, c'est pas mal ça, oui, c'est vrai que ça me plaît bien ça. Et allez, Cobalt. Je vais aller aussi. Très bien. Tu repasseras sur Blue si jamais t'es grillé son Cobalt, ok? À moins que ça soit Blue, vraiment trop grillé le Blue. Blue, on va oublier parce que c'est un nom que je pense que connaît Black Jones. Ah, il est encore en ville lui? On n'a plus aucune nouvelle de lui. Ok. Mais comme j'ai été interrogé par la police, ça m'étonnerait pas qu'il ait fait un deal avec eux. Très bien. Ouais, non, j'ai dit Saphir devant quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on a jamais entendu parler, mais par précaution, je préfère te le dire, changer. Désolé, c'est ma faute. Ouais, pas de soucis. Vous pouvez m'appeler Cobalt Ladé. Je prends le dernier client. Je vous rappelle que le shérif est en centre-ville. Allô? Oui, bonjour, vous avez appelé le service taxi? Oui. Eh ben, j'arrive de ce pas. Merci, à de suite. À de suite. Première bourde. J'ai dit Saphir devant quelqu'un, mais en le soi, loup est dans la rue de l'hôpital. On connaît pas du tout cette personne, c'est pas bien grave. Continue vers le centre-ville, place rouge. Mais j'avoue, j'étais en sueur. Sur le côté. Et pour quelle raison j'ai un client qui m'attend au parking central? Parce que vous venez de faire un drift, monsieur, pour nous. Un quoi? Pas mal de moutons. Vous avez fait un drift sur le virage là-bas en face de nous? Bah, j'ai drifté sur vos couilles, mais ça s'arrête là, hein. J'ai pas drifté, hein, les gars. Allez, sur le côté. Bah là, il y a. Sanchez, casque orange qui vient de passer devant l'hôpital. Oh putain, sérieux, apprenez à conduire s'il vous plaît. Allez sur le côté. Allez, on va se garer correctement. Du coup. Attendez. Non, j'attends pas. Alors Johnson, ça va? Ouais, montez derrière la voiture, je suis à vous juste après. Je vais parler avec ces cowboys et je suis à vous. Bonjour, venez avec nous, allez. Bonjour, vous allez bien Starkey Hatch? Eh hey, monsieur, c'est vous matricule? Moi? Oui. Allez-y, montez derrière. Hein. C'est 13 ans. C'était 18. Ah, monsieur, venez avec nous. Attends, tu peux venir? Ouais, c'est bon, on va pas. Vous savez, j'ai le GoPro, vous pouvez aller vérifier. Hein. Je suis pas un drifter, hein. Je suis juste chauffeur de taxi. Hein. D'accord, donc j'avais. Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Et le drifter sur mes couilles, c'était quoi? Bah, c'était parce que je vous dis que je l'ai pas fait. Vous faites vos Starkey Hutch en plein milieu de la route alors que j'ai des clients. Vous m'affichez devant les clients, c'est mauvais pour l'entreprise. Donc vous étonnez pas que les gens s'énervent. Si je vous dis que j'ai pas drifté, c'est que j'ai pas drifté. Je vais pas vous l'inventer, putain. Ouais, mais moi je vous l'invente pas non plus de vous avoir une. T'as pris le tout dernier rappel qui vient d'arriver. Peut-être que vous avez pas pris des Doliprane, des. Oui, c'est radio taxi, je suis dessus avec des policiers. De faire mon boulot d'ailleurs. Excusez-moi, monsieur. Donc on disait, oui, non, j'ai pas drifté. Voilà, pour répondre. À moins que vous ayez la preuve, s'il vous plaît, quelqu'un a peut-être une vidéo, quelque chose? Non, pour ma part, non. En tête? Non.
Voilà. Ouais. Bah, regardez pas la route. J'ai pas drifté, messieurs. Non, mais vous regardez pas. Combien non, mais j'ai un audio hélico du côté du centre-ville. Et qui plus est, je roulais très lentement. Et qui plus est, je me suis arrêté devant le feu rouge. Non, mais pas de soucis. Sur ça, les deux cas, on n'aurait pas amendé rien. C'est juste un rappel à la loi et tout ça. Et la personne qui vous a. Parce que vous avez rentré dans votre voiture, c'est ça? Oui, oui, oui. Bah, ça. Oui, bah alors, oui. Je voulais juste me garer, messieurs. Je vais pas m'arrêter en plein milieu de la route. Oui, alors, ça nous. Ça, c'est pas notre faute déjà. Non, mais je Ah non, 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 bien sûr. Et non, c'était juste pour être sûr. C'est juste que on vous a arrêté là. J'ai tapé une droite, messieurs. Vous m'avez dit de me garer. Bah, oui, non, mais ok, bref, mais que attends, vous commencez le traitement. On vous arrête parce que vous avez quand même fait un petit outrage. Mais alors, attendez, non, mais je vais vous expliquer pourquoi je me suis énervé, messieurs. Pourquoi je m'emporte. Ce qui est humain d'ailleurs, n'importe qui pourrait s'emporter. Pour l'instant, je me suis emporté parce que en plein milieu de la route, sous prétexte que vous m'avez fait. Mais tu comprends bien que c'est mieux que je vous dise s'il y a des trucs qui se passent quand je sais que vous avez commencé à faire un dérapage pour vous mettre sur mon chemin, messieurs, alors que j'étais à l'arrêt au feu rouge. C'est dangereux, vous comprenez? J'ai pas fait dérapage, je vous ai vu vous arrêter, je me suis mis à votre niveau. J'ai pas fait dérapage. Mais non, vous êtes pas mis à mon niveau, messieurs, vous étiez en biais sur la route, voyons. Ah oui, j'étais au niveau de la ligne jaune pour laisser. Mais j'étais sur la ligne jaune pour laisser les autres voitures passer, mais j'ai pas fait de dérapage. Mais c'est ultra dangereux, monsieur, vous vous rendez pas compte, surtout que j'étais à l'arrêt au feu rouge. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais, j'ai mes gyros. Bah la preuve, vos collègues ils m'ont foncé dedans alors que je voulais me. Oui, mais ça c'est pas nous, encore une fois. Oui, mais vous êtes la police, il y a écrit police partout. Monsieur Parkinson, vous pouvez reculer, tu vois. Shérif qui vient de passer dans l'hôpital qui remonte dans le nord. Autoroute. Ils vont réparer mon véhicule et voilà, je me suis mis sur le. Attendez. Hein. 37 à 118 des 13. Excusez-moi, vous pouvez monter dans le véhicule derrière, hein? Excusez-moi, ouais, vous pouvez. Si. Ouais, j'ai dit. C'est les contrôles, hein, vous connaissez les contrôles de police. Ouais, ça fait contrôler. Ah, ça. Bah, venez, monsieur. Alors, attends, parce que je dois régler un truc avant. Bah, vas-y, dites-moi vite fait, parce que je dois régler un truc après. Ah, bonjour, vous allez bien, monsieur? Ouais, ça va et vous? Du coup, monsieur, pour quand vous nous êtes rentré dedans, là, l'instant, $300, s'il vous plaît. Vous vous foutez de ma gueule, là? Benang. Benang? Benang? C'est qui, Benang? C'est ton frère? Benang, mon frère, il est là-bas, là, c'est Brice Denis. Un peu cher, vous écoutez un petit peu de Pastaga, écoute-moi. Allez, écoute, à la bouillabaisse, et vous venez à la maison, vous mangez la bouillabaisse. Moi, les calingues, c'est pas comme ça, mon ami, d'accord? Ah bon? Donc, tu vas tranquillement me laisser passer, ok? Je vais laisser passer de quoi? Je vais faire mon boulot de taxi, peu cher, bonne mère. Bon, il a fait quoi, le monsieur? Pourquoi vous l'arrêtez, en fait? Tout simplement parce que. On voulait juste être sûr qu'il a pas drifté. Il a fait un truc en disant qu'il a drifté sur le chouïa. Je l'ai vu. Vous deux? Oui, le 2, vous m'avez foncé devant. Bon, attendez, c'est écoutez. Vos propres collègues qui l'ont dit. Écoutez-moi, je vous écoutez-moi. $300, non, mais regardez, je vais vous montrer un truc qui s'appelle de la physique, d'accord? Regardez, on a un pet à l'arrière de la voiture. Comment est-ce que nous on peut avoir un pet à l'arrière de la voiture et vous à l'aveugle si c'est nous qui vous avez foncé le dingue? Bon, messieurs, dites ma version des choses, s'il vous plaît. 13, c'est le déplacement de matière de Newton. Ah, ok, ah oui, d'accord, très bien. C'est pour ça qu'on a un peu. E égale MC2, ok, très bien. Bon, allez, messieurs, $300, s'il vous plaît, on n'en parle plus. Mais en fait, voilà, si vous voulez, vous allez voir le commandant et nous, on ne peut rien faire. Vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est quoi? Amenez-moi à l'aveugle, c'est mieux que je vous l'ai donné. Le donne pas, il va t'arnaquer encore comme ça. Ouais, oui, mais non, j'arnaque personne, moi. Allez, venez, on y va.